Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, ne loupez pas notre émission spéciale juste après votre journal. Une heure depuis l'UAV Show pour vous faire vivre le salon du drone professionnel à Mérignac. Gros plan sur l'avenir du drone comme moyen de transport, aussi bien de colis que de passagers. On regarde un extrait de ce qui vous attend tout à l'heure. Le projet Pélican a donc commencé en ce début d'année 2018. Et donc, il s'agit de travailler au développement d'une solution de livraison de colis par drone en zone urbaine, et donc dans un premier temps à Bordeaux, puisque c'est un projet qui a été lancé suite à un appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors concrètement, vous avez déjà fait des tests. Où est-ce que vous en êtes sur le plan technique ? Non, alors on n'a pas encore fait de test, c'est une solution qui nécessite de nombreux développements. Au sein d'Air Marine, en fait, on a commencé à faire des tests pour valider certains verrous technologiques sur lesquels on a commencé à travailler, et en particulier sur l'atterrissage de précision. Et aujourd'hui, sur les pré-tests, qu'est-ce que ça a donné justement L'atterrissage de précision fonctionne. Ouais. Voilà. Et on aura d'ailleurs un vol dans le cadre de l'UAV Show demain sur le site de Sainte-Hélène pour montrer donc l'atterrissage de précision d'un drone chargé d'un colis avec une simulation de déchargement et de convoyage de ce colis. Voilà, on retourne à Sainte-Hélène donc tout au long de cette soirée pour vous faire vivre le salon professionnel du drone. Dans votre émission Opinion ce soir, vous retrouverez une interview de Christophe Guillaumeau, policier. Il est aussi romancier et auteur du livre Abattez les grands arbres. C'est le coup de cœur de Sud-Ouest au festival Lire en poche de Gradignan ce week-end. Et puis toute l'actualité de la semaine dans la région Nouvelle-Aquitaine, tout en images, c'est à voir ce soir sur TV7 dans votre hebdo vidéo. Et tout de suite les titres de l'actualité. Le rachat du club des Girondins de Bordeaux s'est acté. Les élus de Bordeaux Métropole ont voté ce matin pour la reprise du club par GACP, un fonds d'investissement américain. Le nouveau propriétaire prendra donc les clés du club à la fin du mois. Temps mort pour le sport en Gironde. Ce vendredi, le mouvement sportif girondin a déclaré la suspension des activités de plusieurs clubs, une manière de dénoncer le manque de moyens et les menaces qui pèsent sur le secteur. Les carburants changent de nom. Une nouvelle réglementation européenne est entrée en vigueur aujourd'hui. Et des symboles accompagnent désormais les différents carburants. On vous explique tout dans ce journal. Et la météo, profitez-en, un week-end aux airs d'été indien. Grand soleil et temps sec demain sur toute la Gironde avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Il fera 29 degrés dans les terres et jusqu'à 28 sur le littoral. Feu vert très attendu ce vendredi matin au lendemain de l'audition de Joe Dagrossa de GACP, futur repreneur des Girondins de Bordeaux. Et les élus de Bordeaux Métropole ont levé l'ultime barrière à la vente du club bordelais au fonds de pension américain. Les explications de Christophe Chavanou. 79 pour, 12 abstentions, 13 contre. La demande de main levée de M6 est la validation des garanties concernant le loyer du stade Mamute Atlantique de 3,9 millions d'euros annuels sont donc votées. Une consultation qui intervient au lendemain de l'audition du futur propriétaire des Girondins, Joe Dagrossa, et surtout de 4 ans de recherche d'un repreneur par le groupe M6. Si nous avions eu un Français, nous aurions choisi un Français. Nous avons fait le tour, il n'y a pas eu de Français candidat au rachat du club. Deuxièmement, nous avons pris notre temps, ça fait plusieurs années que nous regardons cette question, et nous savions que de toute façon, nous avions des investissements à faire dans d'autres domaines et que progressivement, on s'écarterait du club et que c'était le temps de passer la main. Donc ça, c'est le principe de la vente. Et puis, nous avons rencontré ces Américains avec lesquels on a discuté pendant de longues semaines. Nous leur avons demandé des garanties, des engagements. Ils ont répondu de manière professionnelle. La ville leur a demandé des garanties. Ils ont répondu de manière professionnelle. Ils ont des fonds significatifs derrière pour pouvoir investir. Et je pense qu'ils ont un projet pour Bordeaux. En tous les cas, je leur souhaite pleine réussite. On sera attentif, évidemment, dans la période de transition, que les choses se passent correctement. Si les élus métropolitains s'accordent à dire qu'ils entrent dans un nouveau monde, comme l'a souligné en introduction Patrick Bobet, vice-président en charge des finances, tous n'ont pas abondé dans le sens de la majorité, à l'image de l'élu écologiste Pierre Urmic, qui est revenu sur les engagements moraux dangereux, selon lui, du repreneur.
Notre groupe assume parfaitement le fait d'avoir voté contre cette délibération. Certes, nous avons eu une discussion intéressante avec M. Dagroza hier, mais des engagements juridiques qui sont très faibles, et comme le dit Alain Juppé, des engagements moraux. Mais les engagements moraux dans le domaine du business et des affaires, on ne peut pas se contenter de cela. Donc nous sommes très inquiets sur l'avenir du club, sur cette tendance du foot qui devient de plus en plus un produit business. Et là, on a rajouté une couche aujourd'hui. Je regrette que la ville de Bordeaux soit pionnière pour encourager cette dérive regrettable du monde sportif et notamment du football. Au-delà du cadre strictement juridique, voté ce vendredi en séance extraordinaire, reste l'attachement à l'histoire du club et à sa pérennité. Nous nous intéressons au club, ce club fait partie de l'histoire de Bordeaux, de la culture bordelaise, beaucoup de Bordelaises, de Bordelais et au-delà, de Métropolitains, de Girondins et d'Aquitains y sont attachés, et donc nous souhaitons vivement qu'il poursuive sa belle aventure et qu'il soit porté au plus haut niveau. Les élus métropolitains ont donc levé le dernier obstacle à la vente des Girondins de Bordeaux qui doit être acté à la fin du mois. Une reprise qui inquiète les supporters bordelais. Hier soir, Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, a réagi en direct à l'annonce d'Alain Juppé sur notre antenne. Et pour lui, le rachat par un fonds d'investissement est un pari très risqué. Écoutez. Ce schéma n'a jamais été concluant pour l'instant dans le football. Strasbourg, en 2006, a connu à peu près la même transmission, le même projet. Ils ont financé FA2. Milan a toutes les peines du monde, et c'est Milan quand même. Milan a toutes les peines du monde à revenir à son plus haut niveau. Enfin, il n'y a aucune expérience de fonds d'investissement pour l'instant qui a été couronnée de succès. C'est une vraie page qui se tourne ce soir pour les Girondins de Bordeaux. Ouais, c'est une vraie page qui se tourne. On a remercié Nicolas de Taverneau de nous avoir amenés en quart de finale de Champions League, de nous avoir amené des titres, notamment celui de 2009. On ne l'a pas remercié, par contre, de céder le club à ce genre de projet. Parce que celui qui dit que ce n'est pas un projet risqué, c'est soit un fou, soit quelqu'un qui n'est pas amoureux du club. Voilà, le rachat des Girondins par GACP, le fonds d'investissement américain. On en reparlera bien sûr lundi sur TV7 dans votre émission Sceaux Sportifs. La devanture de la Maison des Sports et de la vie associative à Bordeaux, drapée d'un immense drap noir, symbole qu'à l'intérieur, le sport girondin gronde. Suite à la diminution des emplois aidés dans les clubs sportifs, la baisse des subventions de l'État et la suppression annoncée de 1600 postes de cadres techniques, de nombreux acteurs du sport du département ont décidé de se faire entendre grâce à l'organisation d'une semaine de temps mort. Écoutez. Nous avons donc décidé de faire une période de temps mort, c'est-à-dire une période d'action pour signifier au grand public, aux pratiquants certes, aux dirigeants, mais surtout au grand public, c'est-à-dire aux familles des jeunes licenciés et à tous ceux qui prennent le sport comme certainement un loisir, mais qui ont compris que c'était un phénomène essentiel dans notre société. Nous allons décider donc d'expliquer pourquoi nous sommes en colère. Nous allons amplifier une pétition nationale et nous allons l'expliquer, mais au-delà de cette pétition, nous allons aussi faire en sorte qu'un texte puisse être lu avant chaque manifestation. Nous allons apporter un manifeste qui sera signé par tous les présidents des comités auprès de la préfecture, auprès de monsieur le préfet. Nous allons effectivement mettre en évidence aussi une journée avec des champions de haut niveau comme Émilie Andéol et comme Karima Medjeded qui vont essayer de fédérer des sportifs passés, des grands champions du passé, mais présents et de l'avenir, en devenir également, pour bien expliquer que devenir champion, c'est d'abord passer par un club et que les moyens, il y en a besoin. La cérémonie qui récompense justement le sport amateur, c'est la semaine prochaine, vendredi 19 octobre. Vous pourrez suivre sur TV7 à partir de 19h30 les Walters du sport. Et d'ici là, on vous présente tous les nommés. Et ce soir, gros plan sur les dirigeants. Eux aussi sont en lice pour recevoir un prix. Je m'appelle Serge Valentin, je suis président du club cycliste d'Abzac. J'ai commencé au club cycliste d'Abzac en 1996, où j'ai eu la fonction d'entraîneur des jeunes. Et suite à ça, je me suis lancé à créer une école de cyclisme. Ça fait quasiment 22 ans maintenant. En ce moment, je suis passé président du club cycliste d'Abzac. Et à l'école de cyclisme, j'en fais un peu moins, puisque j'ai mon fils Sébastien qui a repris le flambeau et qui s'occupe lui de l'école. Donc à l'école, moi je donne des coups de main à mon fils pour entraîner les petits et les encadrer. Voilà, on est un petit club qui travaille bien, on est content. On a de bons résultats, tout se passe bien.
Je m'appelle Christiane Catarin, je suis présidente de la section gymnastique sportive depuis 25 ans. Je vais chercher les enfants au centre de loisirs, je vais récupérer aussi certains enfants à l'école pour aider les parents. Et puis je fais un petit peu le rôle d'infirmière. Nous avons un entraîneur salarié, 5 entraîneurs bénévoles, diplômés. Nous avons également 2 aides monitrices qui sont des anciennes gym. Je suis très fière de représenter la section gym, accompagnée bien sûr des dirigeants, des membres de bureau et puis de tous les bénévoles qui m'entourent. Je m'appelle Katia Samener, j'ai 48 ans, je suis joueuse et dirigeante. Je m'occupe spécialement des entraînements gardiens et aussi des équipes de moins de 13 jusqu'à moins de 18. J'aide mes collègues quand ils ont besoin de moi et je joue aussi avec un senior fille. Les jeunes que j'ai depuis les moins de 11, voilà, je les connais maintenant. Il y a certaines qui jouent avec moi cette année, puisque maintenant elles ont 18 ans et elles jouent avec moi. C'est normal de donner un coup de main à ce club, mon club de cœur, comme j'appelle. Et je ne l'ai jamais quitté parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais je pense que je ne l'aurai jamais quitté, c'est ma famille. Voilà, les Walters du sport, ça se passe vendredi 19 octobre et c'est à suivre en direct sur TV7 à partir de 19h30. Dans le reste de l'actualité, 3 jeunes ont été écroués pour tentative d'homicide en Réunion à Bordeaux. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une violente agression le 16 août dernier rue Permontade. Un autre jeune avait été blessé par balle et par plusieurs coups de couteau. Et on vous le disait en début de semaine, 6 personnes de nationalité albanaise ont été arrêtées à Bergerac en Dordogne. Elles auraient cambriolé 98 maisons en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Jusqu'en mars 2018, principalement dans le Périgord, les perquisitions des domiciles ont permis, vous le voyez, la découverte de 13 500 € en numéraire et de plusieurs kilos de bijoux. 5 des suspects ont été mis en examen pour vol en bande organisée. Rond, carré, losange, c'est désormais avec ces formes géométriques qu'il faudra repérer votre carburant à la pompe. C'est aujourd'hui qu'entrée en vigueur la nouvelle signalétique et comme vous le voyez sur ce tableau, l'essence sera représentée par un cercle avec la lettre E suivie d'un chiffre à l'intérieur. Vous allez le voir dans un instant. Par exemple, E5 pour le sans-plomb 95 ou 98. Le gazole, lui, est représenté par un carré avec la lettre B. Ce nouvel étiquetage a été décidé par l'Union européenne. Il permettra d'avoir les mêmes noms pour les 28 pays de l'UE, une nouveauté dans le quotidien des conducteurs plutôt bien reçue à Bordeaux. Écoutez. Que pensez-vous de cette nouvelle signalétique ? J'en pense que si vous ne me l'aviez pas dit, je ne l'aurais pas vue. Ben, j'ai vu que c'était un projet européen, donc ça a l'air plus simple comme ça, mais voilà, ce sera peut-être plus facile pour voyager. Mais sinon, je ne vois pas beaucoup de changements pour la vie de tous les jours. C'est sûr qu'il y ait un code couleur, on s'y est habitué. C'est prévu sur les véhicules, c'est marqué sur toutes les pompes. Donc c'est sûr que c'est plus simple. Peut-être que ce sera facilitant s'ils rajoutent un code couleur au niveau du carré. Peut-être que ce sera plus simple pour tout le monde. Vous n'avez pas peur un jour de vous tromper ? Non. Non, je pense pas, non. Je fais attention quand même. Que pensez-vous de ces nouvelles affiches ? Je trouve que c'est une bonne chose si c'est partout pareil dans tous les pays de la communauté européenne. On s'y retrouvera au moins, comme ça, d'un pays à l'autre. Et les étiquettes ne sont pas les mêmes, gasoline, diesel. Là, on va s'y retrouver, ou essence, c'est mieux. Vous n'avez pas peur de vous tromper ? Non. Non, pas pour l'instant. Hein. Au départ, c'est une question d'habitude, hein, c'est tout. Une fois qu'on l'aura prise, ça ne nous gênera plus. Voilà, pas d'inquiétude, donc cette nouvelle signalétique ne va pas remplacer l'ancienne, elle vient simplement la compléter. Et puis c'est l'un des projets du gouvernement, fusionner certains départements et métropoles sur le territoire des agglomérations. En Gironde, cela signifierait que Bordeaux Métropole récupérerait les compétences départementales sur le territoire métropolitain, comme celles des collèges, par exemple, ou encore des pompiers. Inimaginable pour Jean-Luc Glaize, le président de la Gironde, qui dénonçait en début de semaine le mépris du président de la République. Il appelait la semaine dernière déjà à une grande mobilisation demain. Le 13 octobre, j'appelle à une mobilisation des élus, mais aussi de ceux qui ne sont pas élus, notamment des associations que nous finançons et des citoyens qui le voudront bien, pour exprimer au président de la République le fait que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont il procède aujourd'hui et aussi les mesures qu'il prend en termes de décentralisation avec ce mépris à l'égard des collectivités locales. Il faut qu'il entende que le travail que nous effectuons en proximité est un vrai travail de fond, qu'il permet d'améliorer la vie de nos concitoyens ou parfois de limiter les dégâts dans la vie de nos concitoyens et qu'à ce titre, il ne peut pas considérer que tout peut venir de façon descendante depuis l'État.
Voilà, le rendez-vous est fixé demain à 11h au conseil départemental. Gros débat sur la mobilité à Jonzac, en Charente, cette semaine. Plusieurs projets ont été abordés dans la région et notamment la question d'une navette fluviale pour relier Royan à Bordeaux. La communauté d'agglomération de Royan souhaite mettre en service ce bateau d'ici fin 2019. Des essais avec un prototype ont déjà été réalisés. Alors on essaie de d'abord travailler sur un aller-retour dans la journée, peut-être deux allers-retours dans la journée, avec peu d'arrêts, parce que ce n'est pas une navette omnibus. Hein, voilà, donc à la limite, on peut envisager un arrêt à Blaye pour essayer de désenclaver aussi ce secteur. Mais très rapidement, il faudra une deuxième navette pour avoir un cadencement plus fort. Alors qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour le mettre définitivement sur les rails ? Rien du tout, il suffit de le faire. Vous avez des financements, vous avez tout ? Alors moi, mon agglo, je suis prêt à financer l'outil. Je l'ai présenté donc à la région, comme je vous l'ai dit. Le président de la région est très intéressé, mais et surtout son responsable de la mobilité l'est. Donc je pense qu'on aura sans doute un partenaire avec la région. Mais sur le premier bateau, moi, je me débrouille tout seul. Même si je n'ai pas de partenaire, je le ferai parce que je suis convaincu de l'utilité et de l'intérêt de la chose. Combien vous investissez ? Un bateau, ça vaut combien ? 4 millions d'euros. 900 000 personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire en France. Le Secours populaire de Gironde rassemble donc cette année encore ses bénévoles lors d'une grande collecte départementale aujourd'hui et demain dans 40 supermarchés. En 2017, la collecte départementale avait permis de collecter plus de 41 tonnes de produits qui ont ensuite été distribués dans les différentes permanences d'accueil du département. Puis cette info pratique, attention à la fermeture du pont d'Aquitaine la nuit prochaine et jusqu'à dimanche 18h. La circulation est interdite sur l'ouvrage et pour cause de travaux d'entretien. Les usagers seront donc déviés par le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On vous emmène à l'UAV Show pour tout savoir de ce salon du drone professionnel et de l'avenir du drone.